Bah moi c'est selon, je suis un peu le Evelyn Delia de la team, tu vois. C'est-à-dire je prédis un peu la météo et le cycle de la nuit. Evelyn Delia elle est un peu dégueulasse. J'en bats les couilles frérot. Eh écoute, toi t'es crasseux déjà pour commencer. Bon écoute Prast, comme t'es gentil avec moi, tu vas nous donner ton emplacement d'accord, et j'arrive avec mon lance-roquette et mes 12 roquettes, ça te va? Hein? Ou alors je te tue, je leur un petit pistolet, ça te va? Il est insolent en plus le bouguin. Il est insolent, il va avoir des problèmes. D'habitude avec le lance-roquette je vise le mur, mais quand ça arrive dans ton cul ça va te faire tout drôle. Et voilà. Oh la full moon, oh les gars, oh ça va se battre. On y va. Faut qu'il y en a qui aillent en voiture et d'autres en hélico. Viens, on y va en voiture, Kalash. Ah ouais, non, moi je prends hélico moi, connard. Bon bah je vais en hélico aussi. Théoriquement. Oh oui, ça va. Attends, je vais quand même chercher la blaster. C'est bon, j'ai une énième roquette. Ouais, prends la Dragon Fang. Vas-y, let's go. Il y en a qui vont en bagnole. Je répare la voiture et on peut y aller. Hop. Riyad qui prend la première place dans l'hélico mais qui n'a pas fait le plein. C'est Riyad l'arabe qui va être à l'origine du crash. Quel respect du RP. J'ai pas pris d'échelle ni rien, mais théoriquement on a des plaques de toute façon. Let's go. Il faut pas que je vole trop, sinon je vois rien. Bon, du coup, soit on passe par le toit, mais on risque d'être bloqué. Soit on passe par en bas, mais je sais pas comment on va monter au niveau du stuff. Mais surtout qu'il y aura peut-être des tourelles en bas en plus. C'est là, non? C'est là-bas, là, je pense. Cette base là, non, devant? C'est une base fermée, hôpital fermé. Non, c'est de la merde ça. Ah oui, on est là, c'est là. Pourquoi ils ont combien d'étages de hauteur? 4? S'ils ont 4, on passe par en haut. Hein. Y'a un mec? Dedans? Oui. Non, là, à côté. C'est qui? Attends, je regarde, c'est qui? Ok, bon bah du coup, j'ai pas changé de bâtiment, donc ce qui fait que je vois tout à travers des murs. Toi, c'est. Bon, par contre, les gars, ça va être compliqué. Oui. Je vois à travers tous les murs, j'ai pas. J'ai... Le bâtiment n'a pas chargé pour moi. Il faut passer par où? Dis-nous où sont les affaires. Attends. Si, là, c'est des lits en dessous là. Il y a des coffres partout en dessous là. Ok. Par contre, ouais, les gars, quelqu'un qui s'est piloté peut aller les chercher. Ils sont en bas. Donc attends, mets-toi sur le roof qu'il faut viser. Là, vas-y, bah j'attends qu'ils viennent. Vas-y, j'en tire déjà une. Regarde un peu. Au revoir. Putain, j'ai visé un peu haut. T'as pété, c'est pas ça qui t'a pété. Non, c'est bon. Là, ici, là, y'a que ça des coffres. Vas-y, putain, j'arrive pas. Les gars, j'arrive vraiment pas à viser par contre. Bah, c'est traître, hein. Parce que si t'es trop près, bah ça te pète sur la gueule. Donc, ah ouais. C'est bon, j'ai cassé un truc déjà. Bah, vas-y. Ok, y'a des lits. Y'a un lit. C'est de la merde. On recule quand même, là, mais des... Là, t'es pas du tout. Non, là, t'es pas du tout. Mais oui, mais je vois que dalle. Tu sais pas conduire, toi. Bah, c'était sûr, ça. Ça, c'était sûr. Hein. Mais non, mais attendez, mais j'étais en train de crever de soif. T'es mort. C'est bon. Alors... Mais c'est pas une raison pour suicider? Bon, du coup, maintenant, je suis en bas et j'y reste, en fait. Ils sont où, les coffres, Clash? Bah, il y en a ici, là. En dessous, il y en a plein. Il y en a en dessous de chaque lit. En dessous de chaque lit, il y a plein de coffres. Genre, ah ouais, donc là faut encore casser un étage. Il me reste combien de roquettes là? Il me reste 8 roquettes les gars. En fait il faudrait qu'on puisse prendre la Dragon Fang mais ils sont morts en bas, c'est con. Mais du coup on peut plus monter, ou alors faut venir en avion. C'est à cause de lui là. Donc je sais pas quoi faire. Que fait-on? Parce que je pense qu'une trappe ça se one shot au lance roquette mais faut bien la viser quoi. Non mais c'est moi qui ai la Dragon Fang, j'ai On peut venir ou pas? Est-ce qu'on peut remonter si on revient? Tu grimpes sur le lit, tu fais ça? C'est des salles. Ah nice. C'est différent. Fait-on? Oh, moi c'est foutu, un claim, donc on s'en bat les couilles. Ça doit être les stuffs en vrai, je pense. Okay, Bah, je pense que ça a plutôt l'air d'être des chambres parce que regarde, il y a des panneaux ici. Ouais, je pense qu'il faut casser cette porte là. Hein. Bon, attendez, reculez les gars, je vais péter cette porte. De chaque lit. Venez vers moi, venez vers moi. Ah, en dessous de chaque. Ah, ok. Bon, bah, venez alors. Du coup, je casse en dessous des lits là. Bah, en dessous de chaque lit, il y a des pièces, il y a plusieurs pièces, c'est plein de pièces individuelles avec plusieurs coffres. Ah, oh, putain, les chiens. Attends, faut réfléchir. Il y a des panneaux qui disent qu'est-ce qui est quoi. Le problème c'est que c'était pas du tout bien expliqué parce que c'est des symboles. Genre y'a un symbole danger par exemple ici. Danger, bah faut avoir le symbole danger, hein, ça se trouve ça sera tout ce qui est masque à gaz, gros de l'ostroquet, etc. Mais non, qui aurait attends, j'y vais. Le danger c'est... C'est ça. Ouais. Bah reculez-vous parce que sinon vous allez tomber. Vous par contre y'a un claim flag ici là. Hein. Un claim flag. Juste là, en dessous de moi. C'est bon. Ok, bon déjà j'ai accès à un coffre là où je suis. Oui, on a accès à et on voit un claim flag. Vas-y, bah rebalance plein de coffres. Attends déjà, faudrait casser le claim flag les gars. Est-ce qu'en fouillant les coffres, si vous trouvez du scotch, vous pouvez le balancer par du toit, s'il vous plaît? Les gars, vraiment, j'ai plus beaucoup de roquettes, j'en ai plus que... Il y a plein de coffres en face de moi, tu balances une ou deux roquettes en face, là, et c'est bon. Oh, je vois plein de coffres en dessous. Je les vois. Mais ah bah alors là... Vas-y, pète. Ouf. Pas assez, je crois que ça pète. Je sais pas si ça pète. J'espère juste qu'on... Oh là là. On peut sortir. Oh oui, oh là là. On a pété le claim flag. Alors déjà, est-ce qu'il y a des trucs pour raid là-dedans? Attends, décale, je pense que ça, à mon avis, ça doit pouvoir se raid.
Attends, je regarde. Là, il y a de l'argent par là. Putain, il est pas con vraiment. Hein. Ah si, je pense qu'on peut pouvoir remonter au niveau des lockers. Hein. Oh oui, c'est bon. Tu vas où? Je casse ça là devant. Ouais, vas-y. Attends, je vais voir. Attends, tire pas, je vais voir. C'est juste de la bouffe. Je pense que c'est que des munes, ouais. Mais je pense que c'est fait exprès, genre, à mon avis, les symboles, ils veulent pas vraiment dire ce que ça veut dire. Parce que sinon, ça servira à rien de mettre des symboles. En vrai, pète là-dedans, là, pète ouais, là. Ouais, je pense. Vas-y, décale. Mais c'est à côté de moi, ça. Ah, attends, j'ai pris des dégâts. Ah! Bah, y'a plus de calage. Non. La crash? Y'a plus de calage. Non, non. Vous l'avez un peu lancé une roquette dans les dents. Cependant, il y a du stuff qui a l'air moult fois. Mais c'est peut-être le stuff de qui? Ah oui, du coup. Ah, par contre, il y a une grenade là. Par contre, je pense que je vais retirer dedans parce qu'en vrai. Par contre, on va pas raid 15 bases. Hein. Ici, il y a l'air d'avoir des vêtements. Ça a l'air d'être des vêtements. Je préfère raid 7 bases, hein, franchement. Ah, mais par contre, les gars, j'ai plus qu'une roquette. Moi, j'ai ma dragon pour après. Hein. Ça a l'air d'être des box là où vous avez lancé une roquette. Hein. Ouais, je sais pas. Non, casse pas ça, je pense. Je tire sous Riyad là. Ouais, ouais, tire sous moi. Mais Riyad, recule-toi parce que sinon ça va te péter un gars, je pense. Ça va rien péter. Et là, tes roquettes, tu les tires pile entre les deux, ça va tout casser. Bah allez, j'en ai plus. Ah, par contre, j'ai des grenades, attends, je peux tester. T'as déjà plus de roquettes? Attends, je teste. Bah, j'en ai mis 12. Recule. Ça a pas l'air de péter grand-chose. Mais vas-y, mais ça, de toute façon, elles vont nous servir à rien d'autre. Ouais. Ah si, ça fait péter. Ah si, ça a pété. Attends, j'en ai encore une, là. En plus, elle est en épique, celle-là, elle est peut-être mieux. Ça fait pas. Il y a un coffre qui a pété, mais... Je les casse ou pas, ces coffres-là? Bah, je pense que tu peux. Non, je pense, à mon avis, ça... Bah, tu peux tester, mais... Bah, de toute façon, en vrai, c'est un raid, là. Quand on a cassé aucun coffre, ici. Et en vrai, j'essaierais bien d'en casser, hein. Casse celui-là, là, en bas. Quand on a que ça comme balle, hein, donc... On va voir vite fait. Ah, des balles, non, c'est de la merde. Donne le dragon de fond, au pire. Tiens, prends ça, toi. Ouais, comment elles sont low, celles-là, hein. Marie. Ah, putain, y'a rien. Ah bah, la oh, une roquette! Une pioche! Oh là 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 là! Oh la chatte! Oh la chatte du gars! Vas-y, donne l'autre roquette! T'es mal la chatte du gars! Je pense que je vais continuer ces coffres là. Hein. Tire où tu peux en vrai? Je sais pas en vrai. Vu qu'ils ont plein de munitions là, essaye de la mettre là, je sais pas. Ah, il a pris des dégâts. Par contre, je vous conseille de vous dépêcher parce que je sens que le jour se lève. Ah oui, bah, ouais. Si on a commencé, on peut pas finir? Non, mais de toute façon, à mon avis, ça va pas aller plus loin. Au pire, on peut aller chercher des... Merde, con. Putain... Faut pas avoir une autre roquette. Oh si, encore une roquette! Non, mais... c'est quoi cette chatte? Frère, t'as une moule, frère. Vas-y. Tire où? Ah, attends. Oh, bah alors là... Il y a des cultures, au moins, il y a du stuff. Bah au moins, il y a de la bouffe. Ouais, t'as des chargeurs d'Estanag, là, en bas? Ah non, je pense que c'était pas la bonne pioche. Je m'attendais, hein. Est-ce que le Camelbat Trip Zip Pack c'est bien? Il me reste 14 balles, je pense que je vais tester ce coffre là, à mon avis il a dû prendre cher un peu. Décale. Attends, je regarde juste ce qu'il y a. Non, ça aura pas suffi. Y'a pas des petites grenades qui traînent, trucs comme ça là? Bah pas là en tout cas. Putain, en vrai y'a du bon stuff. Hein. T'es calache, il est où là? En fait y'a beaucoup d'armes, mais en soi on s'en bat un peu les couilles. Après, est-ce que les armes modées ne font pas des dégâts? Ça on peut pas le savoir. C'est quoi ces panneaux là? Bah ouais, en vrai je pense peut-être le fusil. Sinon, faudrait regarder dans les stats des armes, quoi. Ouais, il y a des balles de SR58, tant mieux, j'en avais plus. Au bruit, ça c'est un bruit qui tape des coffres. Mais je pense pas en vrai, hein. Ça m'étonnerait. Y'a quoi là-dedans? Putain, par contre, y'a beaucoup de M4. Ça tape pas les bruits, ça tape pas ça. T'es sûr? Je suis quasiment sûr. Par contre, ils ont vraiment beaucoup d'armes. J'ai envie de tout casser dans les cultures, en plus, on a plein de balles. Quitte à foutre la merde. Je pense pas que ça tape, hein. Hop, bon les gars, venez avec moi, on va cultiver leur champ. Vous comptez sortir comment maintenant? Avec la plate. Eh, c'est pas con ça. Mais du coup, moi je descends pas tant qu'il n'y a pas des plates qui me permettent de rentrer, de sortir. Mais t'inquiète, on peut en faire avec tout le stuff qu'il y a par terre, on peut salver. Là, mon con, on a de quoi te refaire une base full metal. Hein. Y'a le Vietskin. Il est là. Il va se couper, il va avoir un gros trou dans sa base.
Oh, vous faites tirer dessus. Il a pris une tête. Il est pas content. Il est sérieux. Bah, moi je suis mort. Super. Il est à côté de toi, chez Kai. Je me suis cassé la cheville. Je voulais le rush à la tronçonneuse, mais frère, j'ai plus de cheville donc. Faut éviter de rester en plein milieu, faut rester en haut. Après, le gars il peut peut-être sortir par la fenêtre et tout, donc en vrai, faire gaffe. Il a pris une grosse balle dans la tête en tout cas. Ouais, mais il a eu le temps de se healer, je pense. Je pense qu'il se cache et il attend qu'on se casse. Il a un fusil à pompe donc une balle et. Oh. C'est quoi ça? C'est qui a tiré déjà? Ah oui, c'est toi qui est mort. Ouais, il y a une balle là, les gars. Ouais, d'accord, il y a un gros tir. Il est dedans. Il est clairement là où on a pas pesé. Mais je pense qu'il reste encore beaucoup de stuff à mon avis. Là, on a eu qu'une petite partie. Oui, non, mais il faut savoir que là, en dessous, là, il y a plein de stuff ici. Ouais, mais je sais, en plus, c'est là où j'avais vu quand j'étais rentré chez eux une fois. Enfin, il est parti, il est sur la colline. Info, combien? 160. Sud. Vu, là-bas, je vois. Et il est crevé, moi. Prends le tapin, il est derrière l'arbre en 170. Ah, ok, je le vois. Il est où? Je le vois pas, moi. Ah. C'est ma render distance qui est trop basse. Mais... Enfin, moi, si je lui faisais une petite balle de Mosin, là, il serait fini, le garçon. Si viens, on le rush, Clash. Pire, ouais, rush-le, hein, si vous êtes 3. J'ai décalé le point. Suis le point. Il est parti, il est parti, un peu. Bah, go le suivre. Ça se trouve, il y a des roquettes en plus sur lui. Hein. Je crois moins, moi. Ah, je le vois là-bas. Vraiment, savoir son arme n'a vraiment aucune retombée. Ah, mais là, il est très très loin, là. Ah, Viper Flash, il y en a un autre qui s'écho, les gars. Il est parti zone PVP. Il y a pas eu de deal, il y a juste eu un PVP. Devant moi. Devant toi où? Devant moi. Dans la base. On fait demi-tour, les gars, il y a un problème à la base. J'ai réussi à me heal, mais je suis dans le mal. Attends, il va pas pouvoir rester dans la zone indéfiniment, hein, donc. Il est mort. GG, il est mort là. Oui, je pense qu'il va avoir un bon petit stuff. Non. Ah non, pas ouf. Les mecs, mais ils sont incassables leur lit. Verdun, autre coup. Bah, on a essayé de casser un lit, mais il est increvable. C'est pas loin de Verdun. Hein. Parce que ça peut être utile, ça peut être les filles. Oh, il y a une autre voiture, les gars. On va partir en voiture. Oui, c'est un peu moi qui conduis quand même. Il reste une place. Appelle ton sac conduire. Non, c'est bon. Il y a plus de place. Oui, c'est pas bon. Il y a plus de place. Bonne chance, Chorizax. On t'aimait bien. J'ai spamé. Viens, Chorizax. Je vous remercie d'avoir regardé ce let's play, ça a représenté pour moi 5 mois de montage et plus de 400 Go de vidéos à monter, donc c'était vraiment un énorme travail. Si ce genre de let's play vous a plu, alors n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.